Le voilà mon père, mon ami papa, garde-moi, et brise. Ça, on va prendre un peu de salade. Il y a un mito pour l'encadrement. Ben, tu me dis, bon, si vous catalogue, il y a un gars. Et à toi, on se réveille à domicile. N'est-ce pas de l'eau, vous m'avez appelé les panneaux. Vous aussi, vous là, si c'est là, dans le gré de moi. Si les miens de là, et à qui vous. Nous avons pris les roues, nous mettons tout le monde à la cité de bébé. L'antifafable éditeur m'a venu à côté de Jésus. Du beau Bafia, n'est-ce pas de là, n'a rien au rang, n'y a de plus, les roues nous portent. Et que moi, nous me blessions, n'a pas ma blé ma blé, et nous connaissons un peu ma papi. Et à mes simolets, avant mon grand-père, voilà, la peau d'idée, mon petit petit ami. N'a rien au mal, n'y a d'eau, ou des guides. Mon petit petit ami, nous serons. Thank you.
Bon, si tu ne connaissais pas la personne, ça se comprend. Jésus, as-tu changé d'apparence et au titre là, tu coumes, et même le nom de rien. Le texte ne nous le dit pas. Tout ce qu'on sait, c'est que les parents étaient tellement tristes. Ils étaient tristes. Alors, est-ce qu'à cause de la tristesse, qu'ils ne l'ont pas reconnu? Le reste, c'est la communion. Allez, vos nouvelles amis, ils sont plongés, on a été comme on dit, pour mon nez. Mais il n'y a pas même pour dire, on va. Il a venu, on va venir ici, on va. On ne sait pas. Ou bien, était-il ailleurs? Leur esprit était-il ailleurs? Pourquoi il était tout? Non, ils ont joué, on a mis un peu. Ah, mais vous tiens, on va me. On met un petit peu sous le téléphone, vous voyez, taille, on ne peut pas dire, on. Mais c'est bon à savoir que si nous ne redécouvrons pas la parole du Christ et la parole sur le Christ. La parole du Christ, mais nous, c'est bon. Prenez au boulot, tout Christ, on dit. N'évitez-vous que l'un ou l'autre, mais maintenant c'est Christ, mais maintenant c'est mon nous ne serons, nous serons toujours ailleurs, même si chemin avec nous. Si nous ne redécouvrons pas la parole du Christ, Christ, mais nous gagnons la parole. Et nous, l'autre, on dit. N'évitez-vous que l'un ou l'autre, maouignan ou l'autre, bien dans les gens qui sont vraiment maintenant très bien. Et surtout, quand la tristesse nous envahit suite à des situations difficiles de la vie, si nous ne croyons pas en sa parole, l'obscurité viendra nous envahir et nous ne le reconnaîtrons pas à nos côtés en marche avec nous. Ça aussi, c'est évident, ça c'est sûr. C'est quand nous rayonnons d'espérance que nous nous sentirons présents à nos côtés. Nous avons pourquoi le bien s'y a. Et il y a même pour les vrais, c'est des mots qui n'ont rien à dire, mais c'est le monde en un, bien devant que l'esprit continue, elle n'y aura. Et aux gens bénis, la foi de bénis, nous quittons de pays de paix. Il y a une différence entre voir et reconnaître. Il y a un droit à la vie. Mais le point bien, quand tu vois certains, on se rend compte. On te salue, je réponds gentiment avec un large sourire, mais ça ne veut pas dire que je t'ai reconnu. Mais on est prêt à demain. Madame, pour ne pas me dévoiler, je réponds avec un large sourire. Mais s'il y a certains qui osent dire, c'est pas obligé, c'est la personne. Là, j'avoue que je vais garder un tout tourné en moyen, mais je vais garder un tout. La personne se décline. Là, je dis bon, et ça va maintenant. Mais je vous vois, là, je vous vois, mais je ne vous reconnais pas. Et ça nous arrive à tous. On se voit, mais on ne se reconnaît pas. Donc, entre voir et reconnaître, il y a une différence. En effet, après la résurrection, Jésus ne peut plus être vu avec les yeux du corps. Mais avec un regard. Il faut que nous changions notre regard. Et je me dis, l'histoire, pourquoi les petits problèmes là pour vous? Il y a un petit coup, il y a eu la propre histoire. Il y a un procès, même pour le bon, où il y a une propre histoire. C'est avec ce regard nouveau, cette lumière de la foi, que nous le reconnaissons présent et agissant en nous et autour de nous. Mon frère, ma soeur, pèlerins souvent découragés que nous sommes, nous ne sommes pas abandonnés. Le Christ en personne chemine avec nous, même dans nos plus grands découragements. Et tu te dis bien pour les Seigneurs. Christ soit allé bien à la tour du Pénéné, les Seigneurs, il n'y a pas si, il n'y a pas. Aux disciples découragés, il enseigne que l'on n'entre pas dans le royaume sans passer par là. Et au-delà de la souffrance et de la mort, il y a la gloire de Dieu. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Cette expression souligne qu'après sa résurrection, Jésus ne sera plus reconnu que par ceux qui souffriront à sa mort. Améliorons-nous. Vous pouvez dire au Christ, et pour mon cours, 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 pour mon cours
ceux qui s'ouvriront à sa vie, celui de la vie de Christ. Ce n'est donc pas avec les yeux de notre corps que nous reconnaissons le Christ, Jésus, mais avec le regard au bout de la foi. Et la foi induit des actes et des œuvres. Car la foi s'exprime dans le vécu, donc dans la vie. Sans vécu, c'est une foi morte. C'est pourquoi Pierre, dans le passage que l'on nous rappellera, comme j'ai dit tout à l'heure, dira, voilà ce que vous devez faire pour qu'on reconnaisse que le Christ agit à travers vous et vivant pour vous. Mon frère, ma soeur, si par ton baptême tu as reçu l'Esprit, alors sache qu'il est en toi comme un potentiel. C'est comme une batterie. Quand on ne branche pas tout ce qu'il faut sur la batterie pour que la batterie puisse fonctionner, la batterie sera là comme un potentiel, mais ne donnera rien. On restera dans l'obscurité alors qu'on a la batterie. Alors qu'on a le groupe électrogène. Sache qu'il est en toi comme un potentiel à mettre en mouvement, car c'est seulement en le mettant en mouvement que tu réaliseras le potentiel en toi. T'as un potentiel, mon frère, ma soeur. Il faut le mettre en mouvement par l'esprit. Dans le récit des pèlerins, Emmaüs, on constate qu'ils ont mis en pratique une recommandation du Seigneur, et c'est ce qui leur a permis de le reconnaître. Cette demande du Seigneur pour le voir se manifester, se révéler, se faire reconnaître par eux. Nous parlons où on allait, il est Christ sur le dos, il y a un livre là, et on voit, mais il y a un peu de Christ en tiré, et on découvre un peu. C'est l'hospitalité, l'accueil, le souci du prochain, le partage. Ils ont remarqué que la nuit approchait quand ils étaient arrivés à Emmaüs. Et ne pouvaient pas laisser ce monsieur tout seul qui ne connaissait pas continuer le chemin, la nuit. Alors, ils lui proposent de rester avec eux. Ils lui proposent de rester avec eux. C'est seulement à travers
gestes, les gestes de Jésus, qu'ils ont permis de le reconnaître. À travers le geste de partage, parce que lui-même, il s'est déjà partagé, il s'est déjà donné. Alors, puissions-nous nous aussi offrir de telles occasions, nous offrir de telles occasions, pour pouvoir reconnaître le Christ en marche avec nous. Amen. Mais nous, nous refusons à contenance ce que cela signifie pour nous. Nous proclamons la liberté aux opprimés. Mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité avec eux. Nous affirmons notre libération en Christ. Mais nous sommes pris dans les filets du mal. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'adressons nos supplications. Ô Père, libère-nous. Père, sauve-nous. Père, sois avec nous chaque jour. Et écoute, écoute la prière. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, Père, nous te confions toutes les familles qui portent deuil en ce moment. Sois leur réconfort. Et fais de nous des pèlerins sur ce chemin qui mène vers eux, afin que nous soyons tes mains, tes pieds, ton cœur auprès d'eux. Tous les souffrants, les malades, les opprimés. Tu es le Dieu libérateur. Donne-nous d'être tes représentants auprès de ceux qui sont enchaînés. Seul ton esprit peut nous guider pour que nous ne pensions pas qu'à nous-mêmes. Tu nous écoutes. Aide-nous à faire chemin avec toi, à te reconnaître et à te découvrir ce chemin et ainsi ta volonté. Au moment où nous allons quitter ce lieu, bénis chacun d'entre nous et accompagne chacun chez lui dans la paix, dans la joie et dans l'amour partagé. Que des choses nous avons partagées avec toi, mais que nous voulons tout simplement dire dans cette prière que Jésus a enseigné à ses disciples. Que nous sommes en événement français. Notre Père qui est aux cieux, dernier chant, à toi la gloire, au ressuscité.